prière puissante du psaume 91 pour rompre les liens. Bonjour et bienvenue sur Prière quotidienne de la foi. Que Dieu dans les cieux garde votre vie. Le psaume 91 est l'un des psaumes les plus puissants de la Bible, la parole de Dieu. C'est un psaume qui a le pouvoir de vous donner des bénédictions de protection et de briser de nombreux liens dans votre vie. Il peut également apporter une bénédiction protectrice à votre foyer et à votre famille. Aujourd'hui, nous allons prier le psaume 91. Et après avoir prié ce psaume avec vous, soyez assurés que Dieu vous bénira grandement. Je veux que vous priez ce psaume avec moi, soit en répétant les mots, soit dans votre tête, afin que vous puissiez bénéficier de toutes les promesses contenues dans cette puissante prière du psaume 91. Préparez maintenant votre cœur, car après cette prière et le psaume 91, vous verrez Dieu en action. Et j'ai quelques conseils à vous donner. Vous pouvez écouter cette prière et la répéter tout au long de la semaine. Cela vous fera beaucoup de bien si, pendant 7 jours, vous pouvez écouter cette prière du psaume 91. Je vais maintenant prier avec vous ce puissant psaume de bénédiction, de victoire, de rupture des liens et de protection de la famille. Il habite à l'abri du Très-Haut. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel qu'il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai toute ma confiance. Il te sauvera du piège infâme et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. 1000 hommes tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais cela n'approchera pas de toi. Tu ne feras qu'observer de tes yeux et voir le châtiment des méchants. Si tu t'installes dans la demeure du Très-Haut, si l'Éternel est ton refuge, aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans tous tes chemins. Ils te soulèveront de leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le cobra, tu piétineras le lion et le serpent, car il m'aime, dit le Seigneur, je le sauverai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Par une longue vie, je le rassasirai et je lui montrerai mon salut. Mon Seigneur, mon Dieu et mon Père, Créateur des cieux et de la terre, Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit, Jéhovah Jireh, Dieu de la provision, Jéhovah Shalom, Dieu de la paix, Jéhovah Elohim, le Dieu qui contrôle tout, mon Dieu, je suis sous la prière du psaume 91. Je viens te demander, en ce moment, de briser tous les liens de la vie de cette personne, tous les liens de la vie spirituelle, tous les liens de la vie familiale, tous les liens de la vie financière, tous les liens de la santé doivent être brisés et tomber par terre en ce moment de prière. Ô Dieu Tout-Puissant, je te demande d'envoyer un ange fort, avec une épée dégainée, vers la maison de cette personne. Mon Dieu, pour briser toutes les actions de l'ennemi, chaque action maléfique qui est sur la maison de cette personne, chaque action de l'ennemi sous forme de combat, sous forme de conflits conjugaux, sous forme de malédiction, sous forme de tribulation, sous forme de dépendance. Touche-les maintenant avec ta puissance, afin que la maison de cette personne soit couverte par ton sang et par ton onction de protection. Car ta parole dit dans le psaume 91 qu'aucun malheur ne les atteindra et qu'aucun fléau n'approchera de leur demeure. Mon Dieu, que toute malédiction qui entoure cette maison soit brisée et tombe à terre en ce moment de prière. Toute œuvre qui a été érigée contre cette vie, sous la puissante prière du psaume 91, je déclare qu'elle est brisée. Chaque œuvre qui est écrite, enterrée, jetée au vent, parlée par quelqu'un qui veut nuire à cette personne, je déclare qu'elle tombe à terre maintenant. Mon Dieu, toutes les maladies qui ont affecté cette vie à cause d'un mal, d'un esprit de maladie, comme tes paroles disent, les flèches de la maladie dont parle le psaume 91, sont maintenant brisées par ta puissance. Maintenant,
par la puissance de la prière du psaume 91, je déclare qu'elle commence à tomber au sol. Je déclare qu'elle recule. Je déclare que sous la protection de cette prière, toutes les maladies de ce corps commencent à disparaître. Père Tout-Puissant, le psaume 91 dit que tu nous délivreras des pièges. Alors mon Dieu, je te demande maintenant de délivrer cette personne de tous les pièges, de toutes les embûches de l'ennemi. Mon Dieu, délivre la maison, délivre la famille, délivre cette personne de l'homme méchant, du piège de l'homme assoiffé de sang. Mon Dieu, délivre cette personne des balles perdues, des agressions, des accidents. Mon Père, sur la route, en quittant la maison, que les anges accompagnent cette personne au départ et à l'arrivée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que cette personne ne trébuchera pas. Je déclare que cette personne ne tombera pas. Je déclare la bénédiction de Dieu Tout-Puissant sur cette vie, maintenant. Veuillez lever votre main droite, ou si ce n'est pas possible, asseyez-vous sur votre cœur. Mais s'il vous plaît, je veux que vous répétiez ces mots avec moi. Et vous les répéterez avec des mots, ou bien vous les répéterez mentalement. Priez avec moi. Il habite à l'abri du Très-Haut. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur qu'il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai toute ma confiance. Il te sauvera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui détruit en plein midi. 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais cela ne s'approchera pas de toi. Tu observeras de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Si tu fais du Très-Haut ta demeure, de l'Éternel ton refuge, aucun mal ne t'arrivera, aucun mal n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te protéger, toi et tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs mains, afin que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le cobra, tu piétineras le lion et l'aspic. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le sauverai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai d'une longue vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je veux que vous le voyiez et que vous rendiez grâce à Dieu. Vous avez réclamé cette prière et je suis certain que Dieu vous l'a accordée. Je peux vous dire que toutes les bénédictions contenues dans le psaume 91 sont maintenant pour vous, votre maison et votre famille. Je le répète, si vous pouvez écouter cette prière pendant 7 jours, 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la perfection. Si vous pouvez écouter cette prière du psaume 91 pendant les 7 prochains jours, ce sera très bien. Ensuite, vous pourrez partager vos témoignages dans les commentaires. Je sais qu'ils seront nombreux. Je vous demande également d'envoyer cette prière à votre famille et à vos amis. Combien de personnes ont aujourd'hui besoin de grandes bénédictions, de victoire et de protection du psaume 91 dans leur vie? Envoyez-la à vos amis et à votre famille. Ils seront tous très bénis. Dites-moi ce que vous avez ressenti en entendant la prière du psaume 91. Que Jéhovah Rapha vous bénisse grandement et puissamment jusqu'à la prochaine fois. Amen. Psaume 91, prière de protection. Le psaume 91 est l'un des psaumes les plus puissants de la Bible, la parole de Dieu. C'est un psaume qui a le pouvoir de vous donner des bénédictions de protection et de briser de nombreux liens dans votre vie. Il peut aussi apporter une bénédiction protectrice à votre maison et à votre famille. Aujourd'hui, nous allons prier le psaume 91, et après avoir fait cette prière, Dieu vous bénira grandement
priez ce psaume avec moi, soit en répétant les mots, soit dans votre tête, afin de pouvoir bénéficier de toutes les promesses contenues dans cette puissante prière. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière en commentaire. Dans cette prière particulière du psaume 91, j'aimerais vous demander d'ajouter le nom d'un être cher dans les commentaires. Car comme je l'ai mentionné précédemment, c'est un puissant psaume de victoire sur la famille et notre foyer. Nous prierons et présenterons tous ces noms à Dieu pour sa gloire. Maintenant, préparez votre cœur, car en faisant cette prière du psaume 91, vous verrez Dieu en action. Écoutez cette prière et répétez-la tout au long de la semaine. Souvenez-vous, la parole de Dieu est puissante, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle jauge les sentiments et les pensées du cœur, Hébreux 4, 12. Et elle changera très certainement votre situation. Rappelez-vous comment Jésus a fait taire le diable dans le désert. Il n'a prononcé que la parole de Dieu. Faites de même et voyez la droite toute-puissante de l'Éternel agir dans votre vie. Prions à présent ce puissant psaume de bénédiction, de victoire, de rupture de liens et de protection de la famille. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Mon Seigneur Dieu et mon Père, Créateur des cieux et de la terre, Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit, Jéhovah Jireh, Dieu de la provision, Jéhovah Shalom, Dieu de la paix, Jéhovah Elohim, Dieu qui contrôle tout, mon Dieu, selon la prière du psaume 91, je te demande en cet instant de briser tous les liens de la vie de ton enfant qui entend et fait cette prière. Tous les liens de la vie spirituelle, tous les liens de la vie familiale, tous les liens de la vie financière, tous les liens de la vie professionnelle, tous les liens de la vie amoureuse, tous les liens de la santé, qu'ils soient brisés et annihilés en cet instant, au nom de Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, je te demande d'envoyer un ange fort, avec une épée dégainée, vers la maison de ton enfant, pour briser toutes les œuvres de l'ennemi, toutes les manigances qui visent cette personne, toutes les actions de l'ennemi, sous forme de bagarres, sous forme de conflits conjugaux, sous forme de malédictions, sous forme de tribulations, sous forme d'addictions, sous forme d'échecs, sous forme de blocages, sous forme de stérilité, dans un domaine quelconque. Touche ton enfant maintenant par ta puissance. Couvre sa maison de ton sang et d'une onction de protection. Car le psaume 91 dit au verset 10 qu'aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Mon Dieu, que toute malédiction qui entoure cette maison soit brisée et anéantie en ce moment de prière. Que toute œuvre érigée contre cette vie, toute œuvre écrite, enterrée, jetée au vent,
prononcée par quelqu'un qui veut faire du mal à cette personne soit pulvérisée. Que toutes les flèches de la maladie qui ont affecté cette vie par l'intermédiaire d'un être maléfique, d'un esprit de maladie, soient maintenant foudroyées par ta puissance. Les flèches de la maladie sont maintenant terrassées par ta puissance, au nom de Jésus. Je déclare qu'elles commencent toutes à tomber au sol. Je déclare qu'elles se retirent. Je déclare que sous la bénédiction de cette prière, toutes les maladies dans ce corps se mettent à disparaître. Père Tout-Puissant, le psaume 91 dit que tu nous délivreras du filet. Alors, mon Dieu, je te demande maintenant de délivrer cette personne de tous les pièges, de toutes les embûches de l'ennemi. Mon Dieu, délivre sa maison, délivre sa famille, délivre cette personne de l'homme méchant, du piège de l'homme assoiffé de sang, des balles perdues, des agressions et des accidents de la route. Lorsqu'elle quitte sa maison, que les anges l'accompagnent au départ et à l'arrivée. Je déclare que cette personne ne trébuchera pas, qu'elle ne tombera pas. Et j'appelle la bénédiction du Dieu Tout-Puissant sur sa vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Levez votre main droite, ou si ce n'est pas possible, placez-la sur votre cœur. Et répétez ces mots avec moi. Si vous ne pouvez pas le faire, là où vous êtes, répétez-les mentalement. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours, et je ferai voir mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Rendez grâce à Dieu. Vous avez revendiqué cette prière et je suis sûr que vous en avez reçu les bienfaits. Toutes les bénédictions contenues dans le psaume 91 sont maintenant sur vous, votre maison et votre famille. Partagez-la avec votre famille et vos amis si vous pensez qu'ils en auront besoin. Partagez vos témoignages dans la section commentaires et nous les partagerons avec tout le monde. Que Yahvé, l'Éternel Dieu, vous bénisse grandement et puissamment. Au nom de Jésus. Amen. Prière puissante de combat spirituel et de guérison. Psaume 91. Que Dieu, dans les cieux, garde votre vie et celle de vos proches. Le psaume 91 est en effet un puissant psaume de protection et de bénédiction. Prions ensemble ce psaume pour invoquer la protection divine sur nos vies et nos familles. Seigneur Dieu, nous nous tournons vers toi avec humilité et confiance, invoquant la puissance de ton nom et la promesse de protection contenue dans le psaume 91. Nous déclarons que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu, en qui nous plaçons notre confiance.
nous te prions, ô Dieu, de nous délivrer des pièges et des embûches de l'ennemi. Que ta protection soit sur nous, couvrant nos vies de tes ailes, comme décrit dans le psaume. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre rempart contre tout mal et toute adversité. Nous déclarons que nous ne craignons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni les épidémies qui rôdent dans les ténèbres, ni les fléaux qui ravagent en plein midi. Nous déclarons que nous sommes sous ta protection divine et aucun mal ne pourra nous atteindre. Seigneur, nous prions pour nos familles, nos foyers et nos proches. Nous plaçons chaque membre de notre famille sous ta protection céleste. Que ta main puissante les garde et les protège de tout danger et de tout mal. Nous réclamons les promesses de longue vie et de salut décrites dans le psaume 91. Que chaque personne qui a écouté cette prière soit remplie de ta paix et de ta grâce. Que tes anges veillent sur nous et nous accompagnent dans toutes nos voies. Nous te remercions, Seigneur, pour ta protection constante et ta bénédiction sur nos vies. Que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Protecteur, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde, et que sa protection soit sur vous et vos proches. Prière la plus puissante pour briser les liens du mal et de l'ennemi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés, et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Si tu dis à l'Éternel, mon refuge, et si tu fais du Dieu d'Israël ton protecteur, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longues choses, et je lui ferai voir mon salut. Mon Seigneur Dieu est mon Père, Créateur des cieux et de la terre. Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit. Jéhovah Jireh, Dieu pouvoir. Jéhovah Shalom, Dieu de paix. Jéhovah Elohim, Dieu qui contrôle tout. Mon Dieu, sous la prière du psaume 91, je viens te demander de briser tous les liens dans la vie de cette personne, tous les liens de vie spirituelle, tous les liens familiaux, tous les liens de vie financière, tous les liens de santé. Que ceci soit brisé et tombe à terre en ce moment de prière. Ô mon Dieu Tout-Puissant, je te demande d'envoyer un ange puissant avec une petite épée tirée vers la maison de cette personne, mon Dieu. Pour briser toute attention de l'ennemi, chaque action maléfique qui pèse sur cette maison, chaque action de l'ennemi sous forme de conflit, de disputes conjugales, de malédiction, de tribulation, d'addiction, touche-les maintenant, de ta puissance, afin que cette maison soit couverte par ton sang et par une option de protection, car ta parole dans le psaume 91, que rien de mauvais ne les atteigne.
aucune calamité n'approchera de leur demeure. Mon Dieu, que cette malédiction qui entoure cette maison soit brisée et tombe à terre en ce moment de prière. Que chaque œuvre qui a été érigée contre cette ville, sous l'autorité de la prière du psaume 91, soit déclarée brisée. Chaque œuvre écrite, enterrée, jetée au vent, prononcée par quelqu'un qui souhaite nuire à cette personne, je déclare qu'elle tombe maintenant à terre. Mon Dieu, toutes les maladies qui ont affecté cette fille à travers un être maléfique, un esprit de maladie, comme ta parole l'a dit, la flèche, mon Dieu, ne tombe pas, le psaume 91. Les flèches des maladies sont maintenant brisées par ta puissance. Les flèches de maladie, maintenant, par le pouvoir de la prière du psaume 91, tu déclares qu'elles commencent à tomber à terre. Je déclare qu'elles reculent. Je déclare, sur la bénédiction de cette prière, que toute la maladie de ce corps commence à disparaître. Père Tout-Puissant, le psaume 91 dit que tu nous délivreras des pièges. Donc, mon Dieu, je te demande maintenant de délivrer cette personne de tous les pièges, de toutes les embûches de l'ennemi. Mon Dieu, délivre la maison terrible, la famille, délivre cette personne de l'homme méchant de l'embuscade, de l'homme sanguinaire. Mon Dieu, délivre cette personne des balles perdues, des agressions, des accidents. Mon Père est sur la route lorsqu'elle quitte la maison. Que les anges accompagnent cette personne au départ et à l'arrivée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que cette personne ne trébuchera pas. Je déclare que cette personne ne tombera pas. Je déclare la bénédiction du Tout-Puissant sur cette vie. Maintenant, s'il vous plaît, levez votre main droite. Ou si ce n'est pas possible, placez-la sur votre cœur. Mais je vous demande de répéter ces mots avec moi à nouveau. Répétez-les à haute voix ou mentalement. Priez avec moi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Si tu dis à l'Éternel, mon refuge, et si tu fais du Dieu d'Israël ton protecteur, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longues choses. Et je lui ferai voir mon salut. Mon Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Psaume 91, puissante prière du soir, pour dormir en paix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. On peut allumer une bougie pour commencer, se mettre dans une attitude d'intériorité,
de paix intérieure et extérieure, pour goûter la présence de Dieu. Seigneur, en cette soirée, me voici devant toi. Je veux te remettre ma journée avec le programme de ta parole, le psaume 91. Par le parcours de ce psaume, verset par verset, Seigneur, je te confie toutes les situations de ma journée écoulée. Psaume 91, versets 1 et 2. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Oui, Seigneur, en ce soir, je m'établis en paix sous ta protection. Tu es mon abri, Seigneur, mon refuge et mon repos. Je te prie que cela ne soit pas que des mots, mais que réellement je puisse sentir en ce soir que tu m'enveloppes dans ta divine protection. Je prends la décision, Seigneur, autant que je le puis, de m'établir sous ton abri, sous ton ombre. Là, point de peur, mais la sûreté et la sécurité de ton amour. Merci Seigneur. Psaume 91, versets 3 à 4. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Seigneur, tu es mon sauveur et mon Dieu. De sauveur, il n'en est pas d'autre que toi. Merci pour toutes les situations de cette journée, Seigneur. Les épreuves traversées, tous ces moments où tu m'as préservé des attaques de l'ennemi, de la peste maléfique, des influences du mauvais. Tu es le Dieu fidèle, en toi j'ai mon refuge. De tes ailes, tu me couvres comme une poule couvre ses poussins. Seigneur, ta fidélité est mon espérance, mon assurance. Tu es mon roc et mon refuge, mon armure et mon bouclier. Merci Seigneur. Psaume 91, versets 5 et 6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. En ta présence et sous ta protection divine, par cette prière, Seigneur, je ne crains plus aucun mal à l'entrée de la nuit. Il n'y a plus aucun danger en ta présence, Seigneur. En toi est ma sécurité. Tu veilles sur moi avec un amour et une tendresse que je ne peux même pas imaginer. C'est simple, la peste, le fléau, la terreur, les flèches de l'ennemi, tu les as reçues pour moi dans ta passion douloureuse, pour que ce soir, je puisse dormir en paix en ta présence. Merci Seigneur. Psaume 91, versets 7 et 8. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, Seigneur, au milieu des épreuves, entouré d'ennemis visibles ou invisibles, je suis hors d'atteinte quand je suis avec toi. C'est pourquoi je te fais cette prière. Ne permets pas que je sois séparé de toi en aucune façon, ni le jour, ni la nuit. Le méchant peut avoir une apparence temporaire de victoire. Mais toi, Seigneur, tu as la victoire définitive sur tout mal et sur toute mort. Et tu rends à chacun selon ses actes. Je te demande humblement en ce soir, Seigneur, pardonne mes péchés et conduis-moi sur le chemin de vie. Merci, Seigneur. Psaume 91, versets 9 à 10. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Quelle est douce cette parole, Seigneur bien-aimé. Père,
Fils et Saint-Esprit. Tu es mon refuge, ma forteresse. Aucun ennemi, aucun démon, aucun esprit mauvais ne peut me nuire. Protège mon sommeil et ma nuit, Seigneur. Garde-moi des mauvais rêves et des influences négatives. Donne-moi un sommeil reposant et paisible, car mon refuge est en toi. Merci, Seigneur. Psaume 91, versets 11 et 12. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Merci Seigneur pour mon ange gardien, pour tous les anges qui ont été en contact avec moi aujourd'hui, invisiblement et sans même que je m'en aperçoive. Merci Saint-Ange gardien de ta présence. Merci Saint-Michel-Archange de m'avoir protégé toute cette journée et gardé des pierres du chemin. Saint-Ange, veillez sur moi en cette nuit. Que votre amitié inspire mes songes et fasse grandir à mon insu la sainteté de ma vie. Psaume 91, versets 13 et 14. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Seigneur, ma délivrance, tu me donnes ton propre pouvoir sur l'ennemi. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit mauvais qui voudrait influencer ma nuit et mon repos. Seigneur, avec toi j'écrase la vipère et le scorpion, le lion et le dragon, avec une facilité déconcertante. Ta victoire est mienne, Seigneur, parce que tu me la donnes par ton amour. Oui, je connais ton nom, Jésus. Tu es mon Seigneur et Sauveur. Défends-moi, garde-moi, protège-moi. Merci, Seigneur. Psaume 91, versets 15 et 16. Il m'appelle, et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier, et je le ferai, qu'il voie mon salut. Seigneur, tu as été avec moi toute cette journée, dans mes épreuves comme dans mes joies. Merci de ton appel, que tu renouvelles en ce soir à la sainteté. Oui, Seigneur, rassasie-moi de ta céleste nourriture, de ton pain eucharistique. Sois toujours davantage la lumière de ma semaine. En ce soir, je te confie ma famille, mes proches, mes amis, que chacun puisse voir un jour ton salut. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Psaume 91. Prends un verre d'eau. Prière la plus puissante. Bonjour, peuple de Dieu. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Qu'il vous bénisse, vous protège et vous garde.
Que toutes les bénédictions et la protection promises dans le psaume 91 soient sur vous, votre famille et votre foyer. Nous voulons vous dire en ce moment que toute attaque spirituelle qui pourrait se produire dans votre vie amoureuse, votre situation financière ou votre chemin sera annulée. Toi et tous ceux qui entendent cette prière seront grandement bénis et recevront de nombreuses bénédictions dans leur vie. Nous aimerions que vous prépariez un verre d'eau pour cette prière. Lorsque nous commencerons à prier le psaume 91, toutes les bénédictions de cette prière seront dans ce verre d'eau. Et lorsque vous le boirez, vous ressentirez un grand sentiment de bien-être. Amen. Avant de commencer à prier, j'aimerais que vous écriviez votre prénom et la phrase « Dieu me délivrera du piège de l'oiseleur » dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes ici pour la première fois et que vous vous joignez à cette chaîne pour entendre cette prière, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à tous. Nous sommes la prière quotidienne de la foi et nous ne parlons pas de religion ici. Il s'agit de Dieu, des choses de la Bible. Si vous êtes ici, c'est que Dieu vous voit. Il sait que vous avez besoin de cette prière. N'oubliez pas de préparer le verre d'eau, d'accord ? Le psaume 91 est la prière la plus puissante de la Bible, lorsqu'une personne est confrontée à des attaques spirituelles. Cette prière aidera cette personne à se débarrasser de toutes les attaques spirituelles. Nous allons vous donner quelques exemples pour que vous compreniez bien. Si quelqu'un a fait des rêves étranges ces derniers temps, comme des rêves de cheveux qui tombent, de serpents ou de dents qui tombent, sachez qu'il y a des rêves qui sont le fruit de notre imagination, mais qu'il y a aussi des rêves qui sont des messages du ciel pour nous ouvrir les yeux. Nous savons que beaucoup de personnes viendront ici pour écouter cette prière. Des personnes à qui Dieu essaie de transmettre quelque chose à travers cette prière. Chaque soulèvement de l'ennemi, chaque attaque de l'adversaire sera annulée. Si quelqu'un rêve qu'il tombe de quelque part, si quelqu'un rêve qu'une bête le poursuit, chaque rêve mentionné a une signification. Mais nous n'en parlerons pas dans cette prière pour ne pas trop la prolonger. Dans d'autres prières, nous parlerons de la signification des rêves. Cette personne fait face à des attaques spirituelles et a besoin de prier pour briser ses chaînes, et cette prière est le psaume 91. Il y a des gens qui étaient dans un très bon moment de leur relation, mais soudain, ils commencent à se disputer. Ils s'ennuient l'un de l'autre lorsqu'ils sont séparés. Mais dès qu'ils se rapprochent, les disputes recommencent, et cette situation perdure. Le couple subit des attaques spirituelles. Il y a des gens qui se regardent et ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas heureux dans leur vie amoureuse. Pourquoi ils n'arrivent pas à se connecter aux choses spirituelles. Mais il y a aussi des personnes qui ne réussissent pas dans le domaine amoureux parce que leur relation précédente s'est terminée par des paroles de malédiction. L'autre personne a dit « Tu n'es pas resté avec moi, tu ne resteras pas avec quelqu'un d'autre ». Saviez-vous que la Bible dit que les mots ont un pouvoir ? La Bible dit qu'il y a des gens qui détruisent les autres avec leur bouche, avec des mots. Mais par cette prière, tout le mal qui a touché et atteint cette vie sera annulé. Maintenant, permettez-moi de vous donner deux conseils. Après avoir écouté cette prière, nous vous suggérons de l'écouter encore 6 fois, pour arriver à 7 fois, mais pas en un seul jour. À partir d'aujourd'hui, écoutez-la pendant au moins les 7 prochains jours, en préparant toujours un verre d'eau. Le chiffre 7 est un chiffre spirituel très puissant. La Bible parle de nombreux miracles liés au chiffre 7. Elle raconte que Dieu a donné l'instruction au peuple de marcher 7 fois autour des murs de Jéricho, et que les murs sont tombés. La Bible raconte aussi que le prophète a ordonné à Naaman, un homme lépreux, de se plonger 7 fois dans le Jourdain et qu'il a guéri de sa lèpre. La parole du Seigneur dit aussi que le prophète Élie est monté sur la montagne et a prié 7 fois et qu'à la 7e fois, Dieu l'a exaucé. De plus, dans le livre de la Genèse, la Bible mentionne que Dieu a sanctifié le 7e jour et l'a béni. Le chiffre 7 est un chiffre sacré pour Dieu. C'est pourquoi je vous encourage à écouter cette prière pour les 7 prochains jours, à tout moment, mais à vous engager
dès aujourd'hui pour les 7 prochains jours. C'est pourquoi il est également important, si possible, de consacrer 7 heures de jeûne à Dieu. Soyez rassurés que Dieu vous bénira, vous délivrera et vous protégera. Cette prière s'adresse à tous ceux qui sont confrontés à des attaques spirituelles, dans leur vie amoureuse, dans leurs relations, ou à ceux qui ne parviennent pas à avoir une relation fructueuse avec qui que ce soit. Je veux accorder une attention particulière à ce domaine pendant cette prière. Nous prierons pour tous les domaines, mais je ressens le besoin de mettre l'accent sur celui-ci. Après la prière, si vous êtes dans une relation, ou si vous êtes célibataire et que vous désirez l'intervention et la provision de Dieu, prenez une photo du couple ou une photo de vous-même, et nous prierons pour votre vie. Très bien, prions le psaume 91. Je demande également qu'après avoir terminé cette puissante prière, dans laquelle je sais que vous sentirez la présence de Dieu, vous l'envoyez à 7 personnes. Ne rompez pas cette chaîne. Choisissez 7 personnes et envoyez-leur cette prière. Maintenant, préparez votre verre d'eau. Répétez cette prière avec moi, avec une grande foi. Tout ce que je prie ici, concernant le psaume 91, vous le répéterez avec moi, soit en parole, soit dans votre cœur. Prions. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, en lui je me confie. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du péril de la peste. Il te couvrira de ses plumes et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la dévastation qui sévit en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras le salaire des méchants. Car tu as dit, « L'Éternel est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'atteindra. Aucun fléau n'approchera de ta demeure. Car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai, je l'élèverai, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et l'honorerai. Je le rassasirai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Laissez-moi maintenant prier pour vous. Laissez cette prière toucher votre vie. Ô mon Père, sous la bénédiction du psaume 91, je te présente, mon Dieu, mes prières et notre période de jeûne de 7 heures. Car notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné qu'il y a des batailles spirituelles, des luttes et des guerres qui ne peuvent être gagnées que par la prière et le jeûne. Ainsi, en ce moment, pendant le jeûne, mon Père, sous la bénédiction du psaume 91, nous déclarons que chaque attaque spirituelle à laquelle ton fils, ta fille, a été confronté, tombera au sol maintenant, en se retirant. Toute envie qui a visé leur vie amoureuse, leurs finances, leur santé et leur famille tombera à terre maintenant. Nous transmettrons le jeûne que nous avons fait pendant 7 heures. Nous le transférons maintenant. Nous le donnons à la vie de ta fille, de ton fils. Et nous déclarons la bénédiction, la protection et le grand témoignage qui se produiront dans leur vie à partir de maintenant.
la lumière de Dieu illumine tous les domaines de leur vie. Dieu les délivrera du piège de l'oiseleur et du péril de la peste. Père, consacre maintenant ce verre d'eau et que toutes les bénédictions et la protection du psaume 91 soient sur ce verre d'eau. Et quand ta fille, ton fils, le boiront, qu'ils soient bénis au nom du Seigneur Jésus. Priez maintenant avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et remets-nous nos dettes, comme nous les avons remis à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et vous dites « Amen ». Remerciez Dieu. Amen. Maintenant, l'eau que vous avez préparée est consacrée, bénie. Vous pouvez la boire et répéter cette prière pendant les 7 prochains jours. Je suis sûr que vous vous sentez très bien. Tous ceux qui écoutent cette prière seront, j'en suis sûr, bénis, éclairés et protégés, libérés de tout mal. Avant de partir, nous vous demandons de cliquer sur le bouton « J'aime » ci-dessous afin que YouTube puisse s'assurer que d'autres personnes reçoivent cette prière, qu'elles en soient informées et qu'elles aient la paix. Je vous demande également de la partager avec cette personne. Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous protège. Restez avec Dieu. Amen.